stylos et leurs cartables, les pilotes, leurs gants et leurs chaussures, c'est la rentrée. La ville de Morzine en Haute-Savoie a accueilli, comme à son habitude, le rallye du Mont-Blanc lors du premier week-end du mois de septembre. Avec l'annulation du rallye des Cévennes, cette épreuve fait office d'avant-dernier rendez-vous du championnat et on devrait assister au sacre de Sylvain Michel sur sa Skoda Fabia R5 qui compte déjà 53 points d'avance sur Salanon, absent ici. Numéro 1 ici à Morzine, et très, un peu ému parce que il y a 15 ans je venais ici avec mon père au bord des spéciales et il y a 15 ans c'était un certain Sébastien Loeb qui portait le numéro 1, qui gagnait le rallye et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'un jour j'essaierai d'en faire et 15 ans après arriver ici avec le numéro 1 c'est une belle émotion et une grande satisfaction après tout le début de championnat qu'on a fait. Il y a 18h05, un gros plateau. Je suis content de retrouver Johan et Quentin Gilbert aussi ici, donc de belles pointes. Donc on va rouler comme on sait le faire et si on arrive à faire des belles choses, on en profitera. Absent au rallye du Rouergue, Johan Bonato revient pour donner du fil à retordre au leader du championnat, et ce à armes égales puisque les deux pilotes sont au volant d'une voiture de la catégorie R5. Il y aura Sylvain et Quentin qui seront bien, c'est sûr. Et puis après, on n'exclut personne, hein. Faut attendre tout le monde ici. Hein. C'est un rallye qui est pas très difficile, qui demande juste du courage, donc tout le monde a sa carte à jouer ici. A noter également la présence de Quentin Gilbert au volant d'une des 18 R5 présentes. Il va forcément animer un plateau en manque de tête d'affiche. C'était l'occasion pour la FFSA de présenter la version 2017 du championnat de France des rallyes juniors. Aux côtés de Nicolas Deschaux, le président de la FFSA, Eric Camilli était là en tant que pilote officiel M-Sport et membre de la filière FFSA. Je suis un peu pur produit de la fédération, j'ai gagné Rallye Jeune il y a tout juste 4 ans. Aujourd'hui j'ai été propulsé en mondial en pilote officiel chez Ford, donc j'ai fait mes bases en championnat de France avec ce type de voiture derrière il y a maintenant 3 ans et c'était de très belles bagarres, de très très beaux souvenirs avec j'y pensais hier justement en faisant les rocos de ce Mont Blanc la bagarre ici avec tel concurrent et là-bas avec tel concurrent et c'est des super souvenirs et puis c'est ça qui force le caractère. On a souhaité une voiture hyper accessible pour nos pilotes et surtout une vraie lisibilité sur la dotation, donc on a hâte que ce championnat junior commence. Les futurs engagés se disputeront ce titre sur 6 manches terre et asphalte au volant de Ford Fiesta R2. A la clé pour le vainqueur de moins de 25 ans, une saison en mondial junior WRC3. Alors, rendez-vous en 2017. Le rallye du Mont Blanc Morzine se déroule sur 2 jours et comporte 12 spéciales. Les 6 premières sont courues le samedi et 5 d'entre elles sont différentes. Le rallye commence tôt, le départ de l'ES1 est donné à 8h30. Les équipages doivent faire l'impasse sur une spéciale d'échauffement puisqu'ils commencent par un vrai morceau de bravoure. Jouverte, dans sa version longue 21 km, l'une des plus longues de la journée, avec Saumans, Prat de Lys et ses 21,5 km. Troisième à l'issue de la première boucle, Ludovic Gherardi, un local de l'étape au volant d'une DS3 WRC, réalise un très bon début de course venant arbitrer le duel entre Sylvain Michel et Johan Bonato. Derrière lui, on retrouve Quentin Gilbert qui s'offre une parenthèse nationale dans son programme en WRC2. Le pilote du team Easy Rally est parti sur un rythme prudent. Pierre Rocher, rapidement remis sur pied après sa violente sortie de route au rallye du Rouergue, complète le top 5. Pour la première place, pas de round d'observation. Sylvain Michel a signé le premier scratch du jour, mais il a dû s'incliner dans les deux ES suivantes. Le pilote de la Skoda Fabia R5 pointe à seulement 1 seconde 9 de Johan Bonato, qui avoue avoir roulé à bloc dans le S3.
80 mètres, droite à fond. Et 50 mètres, droite à fond, 200 mètres. 200 mètres, droite à fond, sur gauche. Droite à fond, sur gauche. Et 50 mètres, droite, 110 en deux fois. Droite, 110 en deux fois. Et 150 mètres, 150 mètres, droite, 115 bosses. Les deux hommes sont donc coude à coude en ce début de rallye. Gauche 130, 50 mètres. Droite 130 plus et 3. Et droite 130 plus pas corde. Et droite à fond sortie frein pour gauche 100 plus ouvre pas corde. 100 plus ouvre pas corde. Et gauche à fond. Droite 130 pas corde. Pour gauche 130 juste pas corde. Sur un rythme mondial où un petit peu attention à l'état de la route et le rallye est encore long et voilà, bah ils sont partis très très vite, donc à nous d'essayer de recoller un petit peu, d'adapter un petit peu notre conduite, mais voilà, il y a un gros niveau ce week-end en R5 et c'est tant mieux, ça nous oblige à attaquer fort. Pas une bonne première boucle, des bonnes sensations avec les voitures. On doit encore travailler un petit peu sur les réglages de la voiture pour gratter un peu quelques dixièmes à gauche à droite, mais voilà, très positif et on n'oublie pas l'objectif principal qui est d'être à l'arrivée du rallye. Et en tout cas, on prend beaucoup plaisir avec Jérôme et on fait plaisir aux spectateurs. Au terme de cette première étape, on retrouve dans le top 10 Marc Valicioni au volant d'une Porsche 997 GT3 dont il a pu exploiter la puissance dans certaines portions larges et rapides de ce tracé. Devant lui, c'est une belle bataille qui a lieu pour la 7ème place. Pour le moment, Frédéric Reynal est 9ème à 3 secondes de Sébastien Caron. Ce dernier, au volant de sa Ford Fiesta R5, compte seulement 4 secondes de retard sur la 7ème place, où le retrouve Patrick Rouillard. Le pilote de la 997 GT3 Cup prend également la 2ème place du provisoire dans le trophée Michelin. Pierre Rocher, copiloté par Julie Faure, est 6ème à la fin de la journée, mais il domine largement le trophée Michelin avec 27 secondes d'avance sur Rouillard. Il garde en point de mire la 5ème place. Sur gauche 5+, dans droite 5+, bref. 40 mètres, droite 4, bref, dans Y, droite 35, bitume pourri. Pour droite 3 cordes, dans gauche 3+, pourri. Droite 3 cordes, dans gauche 3+, pourri, dans gauche fond. Gauche fond pour gauche 36. Gauche 36, 40 mètres, gauche 4 points, bref, coin du mur. Gauche 4 points, bref. Droite fond. Et droite 5 serré dans gauche fond. La 5ème place est occupée par Lionel Beau et sa Ford Fiesta WRC. Une place assez satisfaisante étant donné que l'équipage a rencontré des petits soucis tout au long de la journée. Montée en puissance au fil des chronos hauteurs des 3 temps scratch des 4 dernières ES, Quentin Gilbert revient à 3 secondes du podium. Devant, pas de changement pour Ludovic Gherardi qui a malgré tout un peu baissé de rythme dans les 2 dernières spéciales. Il concède plus de 15 secondes au leader. Thank you.
Les deux hommes de tête, Johan Bonato et Sylvain Michel, sont impressionnants et surclassent la concurrence en cette première journée. Michel signe le premier scratch de la boucle et reprend la tête pour un dixième. 100 mètres, couche 90 plus léger tard et 80 mètres. La bataille atteint son climax dans l'ES5 à l'issue de laquelle les deux pilotes sont à égalité parfaite. Pour droite à fond et 50 mètres, épingle gauche 30 tard. Pour gauche à fond, pour droite 100 mi-long, pour gauche 95 pas corde, sur droite et 50 mètres, gauche 80 plus mi-long tard pas corde. Bonato arrache son quatrième meilleur temps de la journée et reprend les commandes pour terminer cette première étape avec 2 secondes 9 d'avance. Championnat de France Junior était aussi de la partie au Mont-Blanc. Dans la course au titre, rien n'est joué et c'est certainement dans le duel Astier-Jamet qu'il faut chercher le successeur de Laurent Pellier. Sur le podium, on retrouve les habitués avec Mathieu Diffente en 3ème position à seulement 3 secondes 7 de la 2ème place. Une 2ème place occupée par Loïc Astier, le sudiste a tenu tête au leader pendant quelques spéciales. Jérémy Jamet a frappé fort dans le S3 où il parvient à prendre 7 secondes 5 sur son plus proche poursuivant. En continuant à enchaîner les scratchs, il porte son avance à 26 secondes. Le lendemain, les regards se concentrent sur la bataille pour la 2ème place qui semble se dessiner. Mais très vite, les positions se figent. Astier signe le premier scratch du jour et creuse l'écart. Romain Diffente tient sa 3ème place et marque de bons points pour rester au contact au championnat à l'approche de la finale au Rallye du Var. Simplement installé en 2ème place, Loïc Astier a assuré en cette fin de rallye pour rallier l'arrivée dans une position idéale avant la finale. Il se retrouve à égalité de points avec le vainqueur de ce Mont Blanc, Jérémy Jamet. Le Savoyard a mené quasiment de bout en bout et il s'impose avec 53 secondes d'avance. Après ce rallye du Mont Blanc, Jamet et Astier sont ex aequo avec 105 points, mais attention, Diffente reste en embuscade avec seulement 7 points de retard. On approche également de la fin du championnat dans le Clio R3T Trophy. Charles Martin a déjà pris une sérieuse option pour le titre en remportant 3 des 4 rallyes qui ont déjà eu lieu. Kevin Van Deyne et Pascal Béra, eux sont à la lutte pour la 2ème place et attendent peut-être que le leader chute pour espérer se rapprocher au championnat. Il faut attendre le S3 pour voir Charles Martin prendre les commandes et creuser peu à peu un bel écart. Le vendredi soir, il compte 22 secondes d'avance sur William Pitot. Pitot s'est offert le premier scratch du jour et a su garder le bon rythme au fil des kilomètres pour contenir le Hollandais Kevin Van Deyne. Auteur de 2 meilleurs temps, il perd de précieuses secondes dans le S3. À l'entame de la 2ème journée, Pitot prouve une nouvelle fois qu'il est matinal. Il fait le scratch et prend un peu d'air sur Van Deyne. Le Hollandais voit tous ses espoirs réduits à néant dans le S8 où il perd plus de 3 minutes sur la tête de course. Pascal Béra hérite donc de la 3ème marche du podium et revient à 8 points de Van Deyne au championnat. Il est précédé par William Pitot. Devant, Charles Martin a été impérial. Il réalise 5 meilleurs temps sur 6 possibles et s'offre avec cette victoire en terre savoyarde un nouveau titre dans une formule de promotion, le 3ème en 5 ans. Nous le retrouverons au départ du rallye Monte Carlo en 2017. 34 épingles et droite 113 pour gauche 122. Droite 122 et 40 mètres, attention, droite 113, tenir à droite qui ferme 82 et droite 82. Sur gauche 103. Yeah.
Départ de la seconde journée, le programme est encore plus chargé que la veille. Toujours 6 spéciales à parcourir, mais réparties cette fois sur plus de 100 km. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour vivre le premier coup de théâtre de la journée. Sylvain Michel, en pleine bagarre avec Johan Bonato, est victime d'une crevaison 4 km après le départ de l'ES7. Toutes ses chances de victoire sont ruinées. Malgré quelques bons chronos dans les autres spéciales, il ne peut faire mieux que 10e de ce rallye du Mont Blanc. L'autre fait marquant de ce début de journée, c'est l'abandon sur sortie de route du 3e au provisoire, Ludovic Gherardi. Les cartes sont donc redistribuées pour le podium. Les déboires de ces deux pilotes font les affaires de Quentin Gilbert qui occupe un temps la deuxième place. Malheureusement, le pilote Easy Rally sort de la route suite à un problème mécanique et doit se retirer à son tour dans l'avant-dernière spéciale. 150 en frein, sur droite 110, 100 mètres, gauche 120, gauche 120, 80 mètres, droite 140, t'arrêt 3, 140, t'arrêt 3, sur droite à fond court qui ouvre Milon sur frein, gauche 50, Milon. Ouvre Milon sur frein, gauche 50, Milon. 50, Milon. Frédéric Reynal et sa Ford Fiesta R5 terminent 9e au général et 5e du trophée Michelin, son objectif principal. Benjamin Perrin est l'invité de ce top 10. Également engagé au volant d'une R5, il a profité d'une bonne deuxième journée pour revenir de la 13e place. Seul 208 R5 du top 10, Éric Moffray et Gaëtan Houssin terminent 7e et surtout 3e du trophée Michelin. Un résultat qui leur permet d'occuper la 4e place du trophée à seulement un point du 3e. Son deuxième résultat en championnat de France de la saison, Kevin Despinas s'offre une belle 6e place au volant de sa Skoda Fabia S2000 et devrait continuer à faire parler de lui en championnat de France. Le championnat de Suisse faisait également étape à Morzine. En finissant 5e au général, Sébastien Caron empoche un 2e titre national. Un week-end totalement réussi pour le pilote de la Ford Fiesta R5. Au volant de sa Porsche, Patrick Rouillard termine au pied du podium, 22 secondes derrière Pierre Rocher. Ces deux-là se suivent également au trophée Michelin, dont la victoire revient au pilote de la Fabia R5 du team FJ. Ce podium et cette victoire en trophée Michelin sont un bon résultat pour l'équipage Rochefort qui a malgré tout rencontré un souci de perte de puissance en fin de rallye. Serré sur Conry, 80 mètres gauche fond et frein 80 mètres pour gauche 3 plus tard, serré à la maison. Gauche 3 plus tard, serré. 50 mètres droite fond sur droitiche et 50 mètres long droite fond sur droite 66 plus aux arbres referme 6. Frein attention, 50 mètres interdroite 3 plus pas verbe dans gauche fond léger corde. Gauchon léger corde, 100 mètres. Monter sur le podium après ce qui nous est arrivé au Rouergue, c'était pas forcément évident. Reprendre le rythme, bon, c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à suivre le rythme des 3 R5 devant, mais bon, ce sont des professionnels. Derrière, on gagne le trophée Michelin, on est quand même sur le podium, il y a une grande satisfaction, on a repris le rythme, la confiance, tout allait bien. Lionel Beau signe un excellent résultat pour cette apparition sur asphalte. Il termine 2e et réalise plusieurs temps scratch lors de cette seconde journée. Après les soucis de Sylvain Michel, Johan Bonato s'est retrouvé bien seul en tête. Difficile de garder le bon rythme sans faire de faute, l'Isérois fait parler l'expérience et offre à son équipe CHL Sport Auto une magnifique victoire en championnat de France des rallyes.
c'est jamais bien simple. Hein. Mais on s'est régalé, la voiture a super bien marché, l'équipe a fait un boulot extraordinaire et nous on a fait que ce qu'on avait à faire, mais bon, ça s'est bien passé quoi. Ce rallye du Mont Blanc nous offre un podium totalement inédit cette saison en championnat de France. Bonato s'impose donc devant Beau et Rocher. Au championnat, Sylvain Michel s'assure d'ores et déjà le titre, une belle performance au volant de sa Skoda Fabia R5. Il faut maintenant lutter pour le titre championnat team. Prochain et dernier rendez-vous pour la troupe du championnat de France des rallyes, le très sélectif Rallye du Var du 24 au 27 novembre prochain.